Bon matin à toutes et tous, on se retrouve pour cette guidance, ces messages de ce jeudi 3 octobre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, la pensée positive de ce matin est la rigueur aux enfants. Apprendre aux enfants la rigueur et la discipline, c'est les préparer de bonne heure aux efforts de leur vie future. Ne pas hésiter à les récompenser lorsqu'ils sont allés au bout d'une mission. Ils prennent ainsi conscience que tout travail accompli apporte tôt ou tard une satisfaction. Waouh, super message, n'est-ce pas? Beau message. Belle pensée positive. Alors, aujourd'hui, j'ai pigé la carte numéro 1. L'aboutissement ne doit pas être un acte recherché puisqu'il vit en toi. Côté professionnel, pour certains d'entre vous, c'est le moment de vous regarder vraiment. Vous avez besoin de votre travail et votre travail a besoin de vous. N'allez pas chercher les compétences de vos collègues puisque vous avez les mêmes. Alors, moi je vous invite à relever la tête, vous êtes à votre juste place, n'en doutez pas. Côté finance, savoir attendre, économiser, gérer et optimiser, ce n'est pas, n'est-ce pas, une chose facile. Mais vous pouvez le faire. Si vous désirez vraiment dans le fond de vous-même, pour canaliser vos impatiences, écoutez-vous. Vous connaissez déjà, oui, vous connaissez déjà les solutions. Côté sentimental, on vous demande de faire un lâcher-prise. Il ne sert à rien de vous accrocher de manière positive ou négative à vos pensées un peu trop confuses. Si votre tête se perd dans trop de suppositions, faites-vous confiance, votre cœur sait. Demandez-vous dans le plus profond de vous-même ce que votre petit cœur vous dit. Il y a peut-être un lâcher-prise à faire au point de vue de votre amoureux, de la personne que vous aimez. Et il faut peut-être arrêter de vous accrocher à cette personne qui, apparemment, n'est pas la bonne personne pour vous. Mais, encore une fois, vous avez le libre arbitre. Arrêtez de vous questionner. Vous savez déjà les réponses. Vous savez, prenez une feuille de papier. Vous la séparez en deux. À gauche, vous mettez tous les points négatifs. Et à droite, vous mettez tous les points positifs. Et là, vous allez voir de quel côté la balance penche. Est-ce que la balance penche du côté droit ou du côté gauche? Et là, ça va vous donner une grande idée des décisions que vous devez peut-être prendre. Voilà pour le sentimental. Et le côté spirituel, vous pouvez dévorer tous les livres existants, vous n'y trouverez que des indications. Apprenez à lire en vous et à être à l'écoute des signes. Pourquoi pas demander à votre ange gardien de vous donner un signe en réponse à votre question. Je suis certaine qu'il vous,
qui vous donnera la réponse, soit un signe, soit peut-être un panneau que vous allez lire et que vous allez taquer. Il y a ce qui est écrit sur le panneau, ben ça va être le déclencheur, ça va être la réponse, ça peut être dans une chanson, etc., etc. Ou prenez encore un livre et vous prenez une carte, une page au hasard, vous mettez votre doigt sur une ligne et vous lisez la ligne et peut-être que vous aurez la réponse. Et bien voilà, pour cette carte numéro 1, je termine avec Ho'oponopono. Et aujourd'hui, alors, j'ai pigé le pardon est la clé de la paix intérieure. Le pardon me permet d'effacer les éléments perturbateurs du passé pour vivre sereinement le présent. J'en parle souvent, hein, du pardon. Il est important de pardonner pour soi-même, pas pour les autres, mais pour notre paix intérieure. Et envoyer de l'amour aux personnes qui nous ont trahis, qui nous ont fait du mal. Envoyons de l'amour. Voilà. Eh bien, écoutez, là, c'est parce que ça me parle beaucoup, hein, le pardon. Moi, j'ai réussi, enfin, j'ai réussi. Je suis très, très contente d'avoir travaillé sur ce sujet-là parce que j'ai réussi à pardonner et ça m'a libéré un poids énorme malgré la trahison que j'ai subie, malgré les méchancetés. Voilà, je suis parvenue à pardonner et croyez-moi, je suis très heureuse d'avoir fait ce travail-là parce que depuis que j'ai pardonné, je me sens vraiment libre et j'envoie de l'amour à cette personne. Voilà, j'envoie de l'amour et je me sens bien. Allez, je vous souhaite une excellente journée, puis on se retrouve demain pour le dernier message de cette semaine. Portez-vous bien, je vous embrasse, à demain.